Salut tout le monde, c'est Kishoum de Follow Switch. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle map Minecraft, une map puzzle cette fois-ci qui s'appelle The Doors. Et vous savez ce qui fait plaisir? Vous savez ce qui fait plaisir avec cette map? C'est une map par un créateur français. Français, mesdames et messieurs, français. Moi, j'aime la France parce que je suis français. Et donc, ça fait plaisir de retrouver une map faite par un français et apparemment c'est une map puzzle à la difficulté de plus en plus croissante dont le but est de venir à bout des 10 portes qui seront tout autant de casse-tête et d'énigmes. Alors tout d'abord les consignes. Alors, tutoriel pour Hunster qu'il évite de casser des maps. Qu'il évite de casser des maps. J'ai l'impression d'avoir un peu sauté. Mais sauté sur A, c'est normal, non? Quoique c'est drôle. Alors je pense que c'est pour Hunster Bleacher. Alors, tutoriel. Les plaques de pression en pierre permettent de changer la couleur d'une porte. De blanc à jaune. Ou de jaune à blanc. D'accord. Sachant que les portes jaunes peuvent s'ouvrir à la main et les blanches seulement avec une source d'alimentation redstone. Et encore plein d'autres objets mystérieux avec des pouvoirs différents. D'accord. Alors, ici, le YouTube du créateur. Jouer en solo impérativement. Règle, appuyer sur le bouton. J'ai entendu un. Un. Ah ok. Ah oui, j'ai pas vu ça, c'est sûr. Alors, ne pas casser ou placer de blocs, ne pas tricher sauf en cas de cassage de map, dédicace à Hunster. D'accord, donc apparemment le est assez fan de Hunster, le Hunster Bleacher, le créateur de la map. Alors, render distance 10. 10. Difficulty peaceful. Peaceful, game mode 2. Slash game mode 2. Ok. Clouds off. Clouds off. Music 100%. Particules toutes. Partie dans particules normalement. Normalement, particules. Non, c'est pas ça. C'est quality. Non, c'est performance. Non, c'est détail. Non, mais c'est animation. Tu devrais le savoir. All on. C'est parti, c'est parti. Donc, on commence tout de suite l'aventure. Et l'aventure la plus totale. Alors, niveau 10, on va peut-être pas commencer par le niveau 10, on va commencer par le niveau 1. Porte et coffre. Parfait. D'accord. C'est pour comprendre le principe. Il est vide. D'accord. Je suis déjà perdu. Je suis perdu, qu'est-ce que je dois faire? Eh mais pourquoi ça s'ouvre pas celle-là? Il faut une source d'alimentation. Ah d'accord. Faut être dessus et en même temps appuyer sur le machin. D'accord, ok, bah j'ai du mal là, hein. J'ai eu du mal. Niveau 1 complété, parfait. Excusez-moi. Nickel. Parfait, on voit la petite lampe qui s'allume là-haut. Niveau 2, c'est parti. Parcours. Allons-y. Alors, où dois-je aller? Que sont ces blocs? Les blocs jaunes permettent de créer des murs invisibles verticalement qui s'arrêtent si ça rencontre d'autres blocs jaunes. Les blocs verts permettent de marcher sur les murs. Des murs invisibles. Ah oui, effectivement. D'accord. Ok, j'ai compris. Regardez là, il y a un mur invisible jusqu'en haut. Parfait. Et du coup, on peut courir. Il y a juste un... Et sur les murs. Sur les murs verts. Bah oui. Évidemment, évidemment, puisqu'il y a un bloc jaune. Ok. Alors, voyons voir. Pourquoi il y a un... D'accord. J'ai un problème de... De disposition dans l'espace, de repérage, dans le... de me repérer dans l'espace. Okay, qu'est-ce que je dois faire? Ah, après, je suis tombé. Ah, mais non, mais non, attendez. Non, ça ne sert à rien.
Ça ne sert strictement à rien ce que t'as fait là. Enfin, ce que t'as fait, ce que j'ai fait moi. Je me parle à moi-même. Alors. Est-ce que vous croyez que j'arrive à passer? Mais je suis censé faire quoi là? Je pense que j'ai. Attendez, attendez. Je pense que j'aurais dû faire un truc du style. Attendez, je tourne au hub. Attendez, attendez. Je recommence, je recommence. Voilà, parce que je pense que. Du tout. Alors, ah, je pense qu'il faut pas que je touche le. Faut pas toucher le. Voilà, c'est ça. Fallait pas toucher le. Je vais y arriver, je vais y arriver. La plaque de pression. Voilà. Alors là, il y a un mur. Alors comment suis-je censé faire ceci? Oh! Non! Oh! Oh, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Très bien, niveau 2 complété. Allez, on s'arrête plus, on s'arrête plus, on s'arrête plus. On continue, on s'arrête plus. On ne s'arrête plus. Ok. Niveau 3, labyrinthe. Les blocs rouges permettent de créer des murs invisibles horizontalement, qui s'arrêtent s'ils rencontrent d'autres blocs rouges. Murs invisibles horizontalement. D'accord, j'ai compris. D'accord. J'ai compris. Attendez, petite ellipse. Ok, de retour. Donc, je disais, oui, donc là, vous voyez, ça fait des murs invisibles de blocs rouges en blocs rouges. Alors. Voyons voir. D'accord. Ah, je n'ai pas regardé. Mince. J'ai pas regardé ce que ça faisait. Je suis foutu. Ok, on ressort, on ressort. Calm down. Donc, alors. Alors, voyons voir. Donc, quand je descends. J'arrive en face d'une porte blanche. Une porte blanche. Ceci. Je peux aller à gauche. Ok, alors, on va essayer le truc alors. Alors, ok. Droite. Descendre là. Donc on va essayer droite, puis gauche. Attendez, attendez, je comprends pas le principe. Merde, je suis déjà perdu. Mais ça m'amène où ça? Blanc, voilà, blanc, blanc, blanc. On retourne, on retourne, on retourne. Attendez 2 secondes, parce que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Alors ça, ça correspond à quoi ça? À quoi correspondent chacun des trucs? Voyons voir. Alors, quand je descends, j'ai une porte blanche en face de moi, puis je vais à gauche. Réfléchissons. J'avoue que j'ai du mal à comprendre le principe. Ok, c'est en dessous en fait. Non, bah non, bah j'ai pas compris. En fait, c'est juste un labyrinthe en fait. Je crois que j'avais rien à comprendre. D'accord. D'accord. Nickel, j'ai compris. J'ai pas compris. En bas, c'était juste un labyrinthe en fait. Je pensais qu'il y avait une logique avec les portes et les leviers en haut. Mais en fait, non. Il n'y avait pas de logique. C'est juste, fallait que j'y aille quoi.
Et ça me téléportait à chaque fois à un autre endroit. Ok, c'est bon, on arrive au bout. On arrive au bout. Voilà, et là. Parfait. Saute, saute. Saute. Hop, on passe en face. Faut que je m'avance un peu. Qui? Qui? Qu'est-ce que j'en fais de cette clé? Ah, d'accord. D'accord. J'ai compris. Niveau 3 complété. Allez, on va tenter un dernier petit niveau. Niveau 4, 2D. Oh, ça va être de la 2D alors. Mettez-vous en double F5. Ah, d'accord. Clic droit avec le bégré dans la zone rouge pour ouvrir la porte en bois. Nickel. Mince. Oh là là. Oh là là. Pourquoi un double F5? Ah mince! Les touches sont inversées en fait. Ok. On peut pas bouger la vue donc on voit pas ce qu'il y a en dessous. C'est assez contraignant. Mais c'est bien fait. Vous pouvez sauter sur les murs pour monter. D'accord, mais j'arrive pas à sauter en face. Ah, peut-être comme ça. Mais j'arrive pas à prendre l'autre mur. Je n'arrive pas à prendre. Mais comment vous voulez que je fasse ça? Bah, il est marrant lui. Écoutez, je comprends pas. Je peux pas courir, j'arrive pas à se. Ah non, y a si, je crois savoir. Ouais, c'est bon. C'est bon. Non, 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 non. Ok, voilà. Oh, on se téléporte, nickel. Nickel. Ah bon, on se téléporte encore. On ouvre la porte. Merde. Faut que j'enlève le S5 avant la fin. Très bien. C'est bien là. Oui. Niveau 4 complété, les amis, complété. Allez, on se tente le petit dernier ou pas? Ça se tente. Ça se tente, enfin le petit dernier. Pour cet épisode, on aura fait la moitié. Niveau 5, Survicraft. Ah, quoique Survicraft. Survicraft a l'air intéressant. J'aime bien le nom. Ça me plaît bien. Ça m'a l'air d'être du Minecraft un peu plus classique comme épreuve. Et sachant que la difficulté est croissante, on passera sûrement plus de temps sur les prochaines épreuves. C'est pourquoi, les amis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la map The Doors où on finira de compléter tout. Tous les énigmes, toutes les énigmes. Attention à l'accord, nous sommes sur une map française, alors parlons français correctement. Eh bien les amis, alors je vous dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt, jusque là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.